La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Ok. Our Father in heaven, notre Père qui est aux cieux, as we come to you to study more about this sacred trust, alors que nous revenons à toi pour étudier davantage concernant ce dépôt sacré, we ask, Father, for your blessing. Nous te demandons, Père, de ta bénédiction. We ask for your wisdom. Nous demandons ta sagesse. We ask, Father, for courage to stand for what is true and right. Et le courage pour tenir pour ce qui est en faveur de ce qui est bon et juste. That your Holy Spirit will speak to every heart here. De sorte que ton Saint-Esprit puisse parler au cœur de chacun de ceux qui sont ici. To those who will hear the recordings later. Et aussi au cœur de ceux et ceux qui vont entendre les enregistrements plus tard. That we will have a desire to follow your truth. De sorte que nous ayons le désir de suivre ta vérité. Et je t'en prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. As we continue to discuss this expiation in two phases, alors que nous continuons notre discussion concernant cette expiation en deux phases, I want to review just a little bit with you. J'aimerais revoir un peu avec vous. How are you going to change your slides? As we noted in Isaiah 59 verse 2, comme nous l'avons noté en Ésaïe 59 verset 2, it is sin that separates us from God. Ce sont nos iniquités qui nous séparent de Dieu. And God has a plan. Et Dieu a un plan to eliminate sin through the sanctuary. Pour éliminer le péché du sanctuaire. To cover our sins. Pour couvrir nos péchés. Through the great day of atonement. Au grand jour des expiations. Or the Yom Kippur. Ou du Yom Kippur. And we saw that God's way is in the sanctuary. Et nous avons vu que la voie de Dieu est dans le sanctuaire. But just as Paul gave Timothy a trust of the gospel, et tout comme Paul a confié à Timothée le dépôt de l'évangile, God has given to the Adventist people a trust in the sanctuary message to proclaim the gospel that way. Dieu a donné au peuple adventiste un dépôt sacré pour afin qu'il proclame l'évangile. And we noticed if we go into this one. Et nous notons that the central pillar of our faith is the sanctuary. Que le pilier central de notre foi est le sanctuaire. And that this sanctuary message was summarized by the Apostle Paul. Et que le message du sanctuaire a été résumé par l'apôtre Paul. And we saw that in Hebrews chapter 8 and 9. Et on a vu cela en Hébreux chapitre 8 et 9. We saw the sin offering in Leviticus chapter 4. On a vu l'offrande pour le péché en Lévitique chapitre 4. An offering that provides pardon. Une offrande qui pourvoit au pardon. We saw in Leviticus 16 about the day of expiation. On a aussi parlé de Lévitique 16 concernant le jour des expiations. And it was to be a day of cleansing. Et qui devait être un jour de purification. And this was to be the day of all cleansings. Et ce devait être le jour de toute expiation. Now this is a summary of what the fundamental message of Adventism is. Et cela est un résumé de ce que l'adventisme est et de ce qu'est le message principal de l'adventisme. It's just not the keeping of the Sabbath. Ce n'est pas l'observation du sabbat. It's not just looking for the Lord Jesus. Ce n'est pas attendre le retour du Seigneur Jésus. But it's preparing a people to meet God. Mais c'est préparer un peuple à rencontrer Dieu. Who can meet him in peace without sin. Qui peut le rencontrer en paix sans péché. The question is, what has the Adventist Church done with this message? La question est, qu'est-ce que l'Église adventiste a fait de ce message? When I talk to some of the very old Adventist people, quand je parle aux adventistes âgés, and they will say, you know, the church just isn't what it used to be. Et ils me disent, tu sais, l'Église n'est pas ce qu'elle était. The standards are different today. Les normes sont différentes aujourd'hui. The preaching is not the same today. La prédication n'est pas la même aujourd'hui. What has happened in the church? Qu'est-ce qui s'est passé à l'église? And what we're going to be looking at are some of the answers to really what has happened. We're going to be looking at the answers donc, as to what has happened. Nous allons considérer les réponses et notamment ce qui s'est passé.
And that it really is not the same church it used to be. Et effectivement, on va voir que ce n'est plus la même église que ce qu'elle a été. It's not just that it doesn't seem to be the same church. It is a different church. Ce n'est pas simplement qu'elle semble être une église différente, mais c'est qu'elle est en réalité une église différente. But remember, a church fundamentally is based upon what its teachings are. Mais rappelez-vous qu'une église est fondamentalement ce que sont ses enseignements. In other words, what makes the Catholic Church the Catholic Church? En d'autres termes, qu'est-ce qui fait que l'église catholique est l'église catholique? Or what makes Adventists the Adventists? Ou qu'est-ce qui fait les Adventistes des Adventistes? It's the teachings. C'est l'enseignement. And when you change the teachings, you change the nature of the church itself. Et lorsque vous changez les enseignements, vous changez la nature de l'église elle-même. In 1955, en 1955 and 1956. Et 1956, there were some conferences held by leading Protestant ministers in America with leading Adventist ministers. Il y eut des rencontres entre les dirigeants du protestantisme américain, des dirigeants religieux, des dirigeants protestants américains avec des dirigeants adventistes. And you may never have heard of these meetings before. Et vous pourriez ne jamais avoir entendu parler de ces rencontres auparavant. But they were sort of done in secrecy at the time. Mais à l'époque, elles étaient faites dans le secret. And the idea was to find out if the Adventists could prove to the Protestants that they were really Christians. Et l'idée était que les Adventistes puissent prouver aux Protestants qu'ils étaient réellement des chrétiens. Because for many years, the rest of the Protestants looked upon Adventists as a sect or a cult. Parce que durant de nombreuses années, le monde protestant regardait aux adventistes comme une secte. Not as Christians at all. Et pas du tout comme étant des chrétiens. But maybe something like the Jehovah's Witnesses or the Mormons. Mais plutôt comme quelque chose comme les témoins de Jéhovah ou les Mormons. People who had some teachings that sounded Christian, but really weren't Christians at all. Des personnes qui ont un enseignement qui semble chrétien, mais qui n'est en fait pas du tout chrétien. And so these Adventists were trying to convince the Protestants that we were just like them. Et donc les Adventistes tâchaient de convaincre les Protestants qu'ils étaient comme eux. But friends, we are not like them. Mes amis, nous ne sommes pas comme eux. We were not like them before that. Et on n'était pas comme eux avant cela. But because they wanted to be accepted, mais parce qu'ils voulaient être acceptés, they wanted to have this assurance that they were part of the body of Christ. Ils voulaient avoir cette assurance d'être soi-disant dans le corps du Christ. They made several compromises in our faith. Ils ont réalisé de nombreux compromis à l'égard de notre foi. To obtain the acceptance of these evangelical Protestants. De manière à être accepté par ces protestants évangéliques. And the results of this conference. Et le résultat de ces conférences. Was the publication of a book entitled Questions on Doctrine. Fut la publication d'un livre intitulé Questions on Doctrine. And this is where they took the questions that these evangelical Protestants had and answered them. Et là, ils ont pris toutes les questions que ces protestants évangéliques avaient et ils y ont répondu. And they use something we call in English double speak. Et il y a quelque chose dans ce livre que l'on appelle en anglais un double langage. You know this term? Oui, Alice. Yes, yes. And so the answers sounded like the old-time message to old-time people. Le message résonnait comme un ancien message tel que les anciens le donnaient. But to other believers, it sounded like what the Protestants wanted to hear. Mais pour d'autres croyants, ils résonnent plutôt comme ce que les protestants veulent qu'ils soient. And in fact, it was exactly what the Protestants wanted to hear. Et en fait, c'était exactement ce que les protestants voulaient entendre. But it was clothed in just enough of the old-time language to make it sound like it was our old-time teachings. Mais il était revêtu d'un langage ancien pour faire croire que c'était un enseignement ancien. Now we have seen from the Bible this morning. Nous avons vu dans la Bible ce matin that the Bible teaches an expiation in two phases. Que la Bible enseigne une expiation en deux phases. We didn't need to quote Ellen White to show that or teach that. On n'a même pas eu besoin de citer Ellen White pour pouvoir enseigner ça. We got it right here from the Bible. On l'a obtenu directement à partir de la Bible. But that is what our Adventist pioneers taught. Mais voilà ce que les pionniers adventistes enseignaient. They taught it because it was in the Bible. Et ils l'ont enseigné parce qu'il était dans la Bible. The Protestant evangelicals were saying that all of the plan of salvation
was finished at the cross. Les protestants évangéliques enseignent que tout le plan du salut fut terminé à la croix. That the expiation was finished at the cross. Que l'expiation s'est terminée à la croix. But we have not taught that or believed that. Mais nous n'avons jamais enseigné cela ou cru cela. Pardon. We have taught that there is an expiation in two phases. Nous avons toujours enseigné auparavant que cela, de cela qu'il y avait une expiation en deux phases. The first provides pardon. La première expiation procure le pardon. And the forgiveness of sin. Et le pardon des péchés. The second provides cleansing. Et le second pourvoyait à la purification. And the power to live without sin. Et la puissance pour vivre sans péché. The Protestant evangelicals were okay with the first part. Les protestants évangéliques étaient d'accord avec la première partie. Because they believe that you can sin and repent and sin and repent and sin and repent until Jesus comes. Parce qu'ils croyaient que vous pouviez pécher et repentir jusqu'à ce que Jésus revienne. They don't believe in perfection of character. Ils ne croient pas à la perfection du caractère. But we see that Jesus commands it. Et cependant, nous voyons que Jésus le commande. And we see that Jesus provides the means by which it can be done. Et que Jésus pourvoit aux moyens de comment cela peut être accompli. But in this book, Questions on Doctrine, et dans ce livre, Questions on Doctrine, they stated very emphatically that Adventists do not believe in an expiation in two phases. Ils enseignent de manière très emphatique que les Adventistes ne souscrivent à aucune théorie de l'expiation en deux phases. Notice this statement. Notez cette déclaration. Les Adventistes n'ont aucune théorie d'une expiation en deux phases. Et je précise, c'est la slide numéro 20. Now, some of the Adventist men who were involved in this. Certains des Adventistes qui ont été impliqués dedans. They were men like Leroy Froom. Étaient des hommes tels que Leroy Froom. Roy Allen Anderson. Roy Anderson. These were some of the highest-ranking Adventist ministers in the denomination. Ces hommes étaient les ministres de renom dans l'adventisme à l'époque. They had the full support of the General Conference president Reuben Figueroa when they did this. Reuben Figueroa, qui était le président de la conférence générale, les soutenait totalement ces hommes-là. And they were meeting with a Protestant minister by the name of Walter Martin. Et ils se rencontraient avec un dirigeant protestant du nom de Walter Martin. And he said, "But I read in Adventist literature." Et il a déclaré, mais j'ai lu dans de la littérature adventiste. About an atonement in two phases. Concernant une expiation en deux phases. And they told Martin. Et ils ont déclaré à Martin. That there was a certain lunatic fringe among them. Qu'il y avait une certaine frange lunatique parmi eux. He was saying the people who believe that are crazy people. Les gens qui croient ça sont des gens qui sont assez fous. But this is what the Bible teaches. Et pourtant, c'est ce que la Bible enseigne. One of the men that they met with, one of the evangelical men, his name was Donald Barnhouse. Et l'un des responsables évangéliques qu'ils ont rencontré s'appelait Donald Barnhouse. He was very well known in America at the time. Il était très connu en Amérique à ce moment-là. He had a radio program that went all over the nation. Il avait un programme radio qui était écouté à travers toute l'Amérique entière. And he expressed what he thought about our sanctuary teaching. Et il a exprimé ce qu'il pensait concernant notre enseignement sur le sanctuaire. In a magazine that he published, he wrote this. Dans un magazine qu'il publiait, il a écrit cela. Mm-hmm. Il faudrait également remarquer que certains adventistes du septième jour mal informés ont pris cette idée et l'ont portée à des extrêmes littérales et fantastiques. Monsieur Martin et moi-même avons entendu les dirigeants adventistes dire catégoriquement qu'ils répudient tout extrême de ce genre. C'est ce qu'ils ont dit en termes non équivoques. De plus, ils ne croient pas, comme l'ont enseigné certains de leurs anciens professeurs, que l'expiation de Jésus n'était pas complète au calvaire, mais qu'il avait encore une œuvre sacerdotale à accomplir depuis 1844. Cette idée est également entièrement répudiée. And so they were denying our faith. Et donc, ils étaient en train de renier notre foi. They were betraying the sacred trust that had been given to them by God. Ils étaient en train de trahir le dépôt sacré que Dieu nous avait confié. These men had told Barnhouse. Ces hommes ont déclaré à Barnhouse that Jesus was simply ministering the benefits of the sacrifice at Calvary in heaven que today. Que Jésus était dans le sanctuaire simplement en train d'appliquer les bénéfices du sacrifice qu'il a accompli sur le calvaire.
But it's still true that in our Adventist literature today, mais il est toujours vrai que dans la littérature adventiste aujourd'hui, sometimes we can read where it says Christ is making expiation now. Parfois, nous pouvons lire que Christ fait l'expiation maintenant. How did they explain that? Et donc, comment ils ont expliqué ces déclarations-là? In the book Questions on Doctrine, it says, dans le livre Questions on Doctrines, il est dit, c'est pourquoi lorsqu'une personne entend un adventiste dire ou lit dans la littérature adventiste et même dans les écrits d'Ellen White que Christ fait présentement l'expiation, il lui faut comprendre que nous croyons simplement que Christ fait maintenant l'application des bénéfices de l'expiation sacrificielle qu'il fit à la croix, qu'il la rend efficace pour nous individuellement, selon nos besoins et nos demandes. So they're saying that when you read Ellen White's writings, donc ils disent que lorsque vous lisez les écrits d'Ellen White, you can't just read them and accept what they say. Vous ne pouvez pas simplement les lire et accepter ce qu'ils disent. You have to accept them as they interpret them. Vous devez les accepter tels que on les interprète. And what they're saying is that what Jesus is doing in heaven today. Et ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ce que Jésus est en train de faire dans le ciel aujourd'hui. It has nothing to do with cleansing. N'a rien à voir à faire avec la purification. Only with pardon. Only with what he accomplished on the cross in pardon. Mais simplement avec le pardon qui fut acquis à la croix. But let's find out what does this idea of making application of the atonement mean. Mais tâchons maintenant de découvrir ce que signifie cette expression d'appliquer les bénéfices d'appliquer les bénéfices de l'expiation acquis sous la croix. They explain in Questions on Doctrine exactly what they mean. Ils expliquent dans ce même livre exactement ce qu'ils veulent dire par là. Combien glorieuse est cette pensée que le roi qui occupe le trône est également notre représentant dans les parvis célestes. Cela prend encore plus de sens lorsque nous réalisons que Jésus, notre assurance, est entré dans les lieux saints et est apparu dans la présence de Dieu pour nous. Mais ce n'était pas dans l'espoir d'obtenir quelque chose pour nous à ce moment ou à un moment futur. Non, il l'avait déjà obtenu pour nous à la croix. Non, étudie. So he didn't get anything for us in heaven today. Il ne fait rien pour nous. Il n'obtient rien pour nous dans le ciel aujourd'hui. Everything is at the cross. Toute chose qu'il a obtenue le fut à la croix. It is only the salvation of justification alone. C'est simplement le salut par la justification seule. Now this book, Questions on Doctrine, was published in the year 1957. Ce livre, Question on Doctrine, fut publié en l'an 1957. That was the year I was born. C'est l'année où je naquis. I'm not a young man anymore. Je ne suis plus un jeune homme du tout. This is a generation ago. More than a generation. Cela remonte à plus d'une génération. And so we say, well, what does it have to do with us today? Et donc nous pouvons nous dire, mais qu'est-ce que cela a à faire à voir avec nous aujourd'hui? Surely we don't believe that today. Il est manifeste que nous ne croyons plus en cela dans l'adventisme aujourd'hui. But friends, we do. Mais mes amis, en réalité, nous y croyons toujours. There's a book entitled Seventh-day Adventists Believe. Okay. On va reprendre. J'ai commis une erreur. En fait, on pourrait se dire que on croit plus en cela aujourd'hui, mais en réalité, cela est toujours cru dans l'adventisme moderne aujourd'hui. Et il y a un ouvrage qui est intitulé Ce que croient les adventistes. Remember I said earlier. Rappelez-vous quoi j'ai dit plus tôt, that the church just doesn't seem to be the same old church. Que l'église semble ne plus être la même église. It's because those changes from Questions on Doctrine were never repudiated. C'est parce que ces enseignements qui sont contenus en Questions on Doctrine n'ont jamais été répudiés. They have been upheld and taught in our seminaries. Ils ont été soutenus et enseignés dans les séminaires adventistes. They have been preached by the ministers. Ils ont été enseignés par les ministres. And it's what the church believes today. Et c'est ce que l'Église croit aujourd'hui. In this book, Seventh-day Adventists Believe. Dans ce livre, ce que croient les Adventistes. It is said to be an explanation of what Adventists truly believe. C'est une explicative de ce que les Adventistes croient réellement. And I want you to notice some of the things that it teaches. Et j'aimerais que vous notiez certaines des choses qui sont enseignées. Mm-hmm. Allons-y. Le sacrifice accompli une fois pour toutes a été offert. Hébreux 9, 28. Il met désormais à la disposition de chacun
les bénéfices de son sacrifice rédempteur, page 315, et page 367, de la même manière, le Christ, dans le sanctuaire céleste, a fait bénéficier son peuple du fruit de son sacrifice parfait. This is the exact language from the questions on doctrine. Nous avons là le langage même de questions on doctrine. You won't find this kind of an explanation in any of the writings of Ellen White. Vous ne trouverez jamais une explication de la sorte dans n'importe lequel des écrits d'Ellen White. You won't find an explanation like this in any of the writings of our Adventist pioneers. Vous ne trouverez jamais une explication de la sorte dans aucun des ouvrages des pionniers adventistes. And the reason is very simple. Et la raison est très simple. They did not believe this. Ils ne croyaient pas en cela. They did not believe this kind of an evangelical teaching. Ils ne croyaient pas en ce genre d'enseignement évangélique. They believed the expiation in two phases. Ils croyaient en l'expiation en deux phases. Just like we saw the Bible. Tout comme nous l'avons vu dans la Bible ce matin. And so this language that we're teaching today. Et donc ce langage que nous enseignons aujourd'hui, ce langage avec lequel cet enseignement est donné, that we're putting in our publications, qui est mis dans les publications, that we are teaching in our seminaries, qui sont enseignés dans les séminaires, that the preachers are preaching, que les prédicateurs enseignent. It is the language and the teachings of the book Questions on Doctrine. C'est le langage et l'enseignement du livre premier qui émane de Questions on Doctrine. And remember, those teachings were designed to make us look just like the rest of the evangelical world. Et rappelez-vous que cet enseignement est destiné à nous faire ressembler exactement à ce que ressemblent les évangéliques. In the book Seventh-day Adventists Believe, dans l'ouvrage Ce que croient les adventistes, we have also this statement. On a aussi cette déclaration. Là, en qualité de grand prêtre, il, donc Christ, offre les bénéfices de son sacrifice rédempteur complet et parfait, en vue d'achever la réconciliation des hommes avec Dieu. Again, it's not that Jesus is making expiation now. De nouveau, ce n'est pas que Jésus fait l'expiation maintenant. They're saying all the expiation was made at the cross. Ils disent que toute l'expiation a été faite à la croix. But now he just applies the benefits of that expiation. Mais maintenant, ils ne font qu'appliquer les bénéfices de cette expiation. No second expiation. Pas d'une seconde expiation. But we saw what the Bible says. Mais nous avons vu ce que la Bible dit. But again, this is just a book. Mais une fois de plus, cela n'est tout simplement qu'un livre. But to be an official part of the teachings of the church. Mais pour faire partie officiellement de l'enseignement de l'Église, it must be part of our fundamental beliefs voted on by the General Conference. Il doit faire partie des croyances fondamentales votées par la conférence générale. Does such a statement exist? Est-ce qu'une telle déclaration existe? It absolutely does. Oui, elle existe de manière absolue. If you look at the history of our statements of fundamentals, si vous observez et considérez l'histoire de nos déclarations fondamentales, from the time of Ellen White until 1980, du temps d'Ellen White jusqu'à 1980, you will find no such statement that teaches this kind of a thing. No statement is taught this doctrine. Vous n'allez pas trouver un point de foi qui contient une telle déclaration. But in 1980, mais en 1980, at the General Conference session that year, lors de la session de la conférence générale de cette année-là, they voted a new statement of fundamentals. Ils ont voté de nouvelles croyances, de nouvelles déclarations de croyances fondamentales. And in that statement of fundamentals, they changed our doctrine of the expiation. Et dans cette déclaration de croyances fondamentales, ils ont changé notre doctrine du sanctuaire. Notice statement fundamental number 24. Notez la déclaration le point 24. Il y a dans le ciel un sanctuaire, le véritable tabernacle, dressé par le ciel et non par les êtres humains. Dans ce sanctuaire, le Christ accomplit un ministère en notre faveur, mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur, offert une fois pour toutes sur la croix. If I'm one of the old Adventists, si je fais partie des anciens adventistes, and I remember the old ways, et que je me rappelle les anciens sentiers, well, it speaks about a sanctuary in heaven. This statement speaks about a sanctuary in heaven. Je me rends compte que cette déclaration parle de sanctuaire dans le ciel. It says it's the true tabernacle which God set up. Il est dit que c'est le véritable tabernacle que le Seigneur a dressé. It says Christ is ministering there now. Il est dit que Christ est en train d'y officier. Well, yeah, this sounds a lot like our old teaching. Et oui, je pourrais me dire que cela, oui, effectivement, résonne comme nos anciens enseignements. We must not have changed.
Je ne pense pas qu'on a changé quoi que ce soit. But when you read closer, mais lorsque vous lisez attentivement and more carefully, et bien plus avec davantage de soin, the statement does not say Christ is making atonement now. La déclaration ne dit pas que Christ fait l'expiation maintenant. It says he's simply applying the benefits of the expiation from the cross. Il est dit que simplement qu'il il ne fait que appliquer les bénéfices de l'expiation qu'il a faite sur la croix. Where did they get that language? Où ont-ils pris ce langage? Where did they get that doctrine? Où ont-ils pris cette doctrine? They got it from Questions on Doctrine. C'est du livre Questions on Doctrines. Il vint de Questions on Doctrine, page 355. Nous y disons que Christ est maintenant l'application des bénéfices de l'expiation sacrificielle qu'il fit à la croix. And again, I ask you, et une fois de plus, je vous demande, what does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? How should we understand that? Comment devrions-nous comprendre cela? Is Jesus really obtaining something for us in heaven now? Est-ce que Jésus est en train d'acquérir quelque chose pour nous dans le ciel maintenant? Again, notice what Questions on Doctrine says. Une fois de plus, notez ce que Questions on Doctrine déclare. Mais ce n'était pas dans l'espoir d'obtenir quelque chose pour nous à ce moment, à un moment futur. Non, il l'avait déjà obtenu pour nous à la croix. So friends, this is an official denial. Final expiation. Et donc, mes amis, cela est un reniement officiel de notre saignement concernant le sanctuaire. It's a denial of the truth that God gave us as a sacred trust. C'est un reniement de la vérité que Dieu nous a donnée en tant que dépôt sacré. Well, how do you know, Alan, it's a sacred trust given to us? Mais dis-moi, Alan, comment sais-tu que c'est un dépôt sacré qui nous a été donné, cette affaire de sanctuaire? Notice what we read in the Spirit of Prophecy about this. Notez ce que nous lisons dans l'Esprit de prophétie à ce propos, dans Événements des derniers jours, page 41, paragraphe 1. Dans un sens particulier, les Adventistes du septième jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et des porteurs de lumière. C'est à eux qu'a été confié le dernier avertissement destiné à un monde qui périt. C'est sur eux que brille la merveilleuse lumière qui jaillit de la parole de Dieu. Une tâche d'une solennelle importance leur a été confiée, la proclamation des messages des trois anges. Ils ne doivent pas laisser leur attention s'en détourner. So in the French it says that they've been conferred this. Does that have the same meaning in French as entrusted? Yes. In the English, it's a very strong word. En anglais, c'est un terme très fort lorsqu'il est dit confier. It means something very sacred has been given to you to hold on to tightly and never let go. C'est-à-dire que quelque chose de sacré vous a été donné que vous devez serrer et ne jamais laisser s'échapper. And she said, "This is the message of the first, second, and third angel's message." Et elle parle du message des trois anges ici. And that first angel's message begins with the hour of God's judgment, the sanctuary message. Et le message du premier ange commence en disant que l'heure de son jugement est venue. And Ellen White goes on to say in the book Evangelism. Et Ellen White continue plus loin et en fait dans. But this is actually originally from the testimonies. Mais en fait tout cela, donc là ici on va lire évangéliser, mais cela fut originellement publié dans les testimonies. Évangéliser, page 116, paragraphe 1. Les vérités que nous devons proclamer au monde sont les plus solennelles qui aient jamais été confiées à des mortels. C'est là notre objectif. Il faut avertir le monde et le peuple de Dieu doit être fidèle au mandat qu'il a reçu. In the French, does it say that these are the most solemn truths or just the truths? The truths. Yes. In French, it says the truths. En français, il est dit les vérités. But in the English, mais en anglais, it says the most solemn. Il est parlé des vérités les plus solennelles. Not just simply the most, not just simply solemn truths, but most solemn truths. Pas simplement vérités solennelles, mais des vérités les plus solennelles. I'm sorry for the poor translation. Je suis désolé vraiment pour cette traduction très faible. I encourage you to learn English. Je vous encourage à apprendre l'anglais. Because then you can read these writings in their original and don't have to trust on a translator. Parce que alors vous serez en mesure de pouvoir lire ces déclarations dans ces déclarations dans leur langue originale et ne pas à compter sur un traducteur. But the most solemn message that's ever been given. Mais le message le plus solennel qui ait jamais été donné was the message of the sanctuary judgment given to Advent's people. Has been the message of the sanctuary given to us as a people. C'est le message du sanctuaire qui nous a été donné en tant que peuple. This is a message of judgment. C'est le message du jugement. It's a message of salvation. Le message du salut. And this is the message of the expiation in two phases. Et c'est le message de l'expiation en deux phases. And it's been betrayed by our people.
et il s'est vu et notre peuple a trahi ce message. I have talked to the teachers at the seminary. You have talked to them. I have talked to the teachers at the J'ai seminary. J'ai parlé aux enseignants des séminaires. I have talked to the dean of the seminary. The dean, the head of the seminary. Et j'ai parlé au dirigeant du séminaire même. And they say that they teach the teachings of questions on doctrine. Et ils m'ont dit qu'ils enseignent ce qui est contenu dans Questions and Doctrine. And they are proud to do that. Et ils sont fiers de faire cela. And they do not want to go back to the old teachings. Et ils ne veulent pas retourner aux anciens enseignements. And that this is what they teach the ministers to preach. Et c'est ce qu'ils enseignent au pasteur qui a enseigné. And it is what, in fact, they do teach. Et c'est en réalité ce qu'ils enseignent. Now my question to you is, maintenant, la question que je vous pose est la suivante. How does God look upon this? Comment Dieu considère-t-il cela? What is God's view? Quelle est la vision de Dieu? I'm going to tell you, I have a very, very vivid view of this. A very clear view of this. Je dois vous avouer que j'ai une vision assez claire de ça. And if I ask my brother, he might have his idea of what God thinks of. Et si je demande à mon frère ce qu'il pense, il a certainement une vision de ce qu'il pense que tu penses de cela. But I want to show you what God says about it. Mais je tiens à partager avec vous ce que Dieu dit à ce propos. What the testimony of Jesus says about. Qu'est-ce que le témoignage de Jésus dit à ce propos? In the volume. Testimonies. Is this his testimony? Yes. Yeah. The yes. Treasures. Go ahead. Okay. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 293, paragraphe 2. L'Église adventiste doit être pesée dans la balance du sanctuaire. Elle sera jugée d'après les avantages dont elle a joui. Si son expérience spirituelle ne correspond pas au privilège que le Christ lui a assuré grâce à son sacrifice, si les bénédictions reçues ne vont pas qualifier pour l'œuvre qui lui a été confiée, cette sentence sera prononcée sur elle, trouvée trop légère. Elle sera jugée d'après les lumières et les occasions qui lui ont été données. And so, notice the language. Et notez le langage. She says the church, the corporate church is to be weighed. Elle parle de l'église dans son ensemble, en tant que corps qui sera pesé. She's going to be judged by the privileges and opportunities she has had. Elle sera jugée d'après les avantages et les opportunités qu'elle aura eues. No people have ever had the life that Advent's people have had. Aucun peuple n'a personne n'a jamais eu autant de lumière que l'Église adventiste en a reçu. And she says, if those blessings that God has given to us as a people are not used, et il est dit que si ces bénédictions que Dieu nous a données en tant que peuple ne sont pas employées, to do the work that has been entrusted to us, pour faire l'œuvre qui nous a été confiée de faire, on her will be found the sentence found wanting. Eh bien, il sera prononcé sur nous trouvé trop légère. Friends, this is treason. Mes amis, cela est très clairement de la trahison. There are many crimes in any country that you attend or visit. Et dans les pays que vous pourriez visiter, il y a de nombreux crimes. You know, we know it is wrong to steal in any country. Nous savons que dans tous les pays, c'est reconnu comme mauvais le fait de voler. There will be penalties. Il y a des pénalités à ça. It is wrong to kill someone in every country. Dans tous les pays, il est mauvais de tuer quelqu'un. There will be penalties. Et pour cela, il y a des peines qui sont appliquées. But the worst crime, mais le crime le plus affreux, in any country, dans tous les pays, is treason. C'est la trahison. Because you not only endanger a person, parce que vous ne mettez pas seulement en danger quelqu'un, you endanger the safety of the whole nation. Vous mettez en danger la sécurité de toute la nation. And the crime of treason, the crime of treason is the worst of all crimes. Et le crime de trahison est le pire de tous. Concerning this kind of treason, et concernant ce type de trahison, we have this statement from the book on the life of Jesus. Nous avons cette déclaration dans le livre Jésus-Christ, page 716, paragraphe 1. Judas aurait pu être honoré de Dieu. Au lieu de cela, il finit misérablement sa vie. S'il était mort avant le dernier voyage à Jérusalem, il aurait laissé le souvenir d'un homme digne d'avoir sa place parmi les douze, et sa disparition eût fait un grand vide. L'infamie qui est restée attachée à son nom à travers les siècles est due au vice qu'il a manifesté vers la fin de sa vie. Mais c'est à dessein que son caractère a été dévoilé. Il devait servir d'avertissement à tous ceux qui, comme lui, trahirait leur mission sacrée. Judas was looked upon as one of the great disciples at one time.
il fut un temps où Judas a été considéré comme étant un grand disciple. Maybe among the popular people, he was the favorite of the apostles. Among the people who followed Jesus, they may have thought he was the favorite. Peut-être que parmi la troupe de ceux qui suivaient Jésus, il était considéré comme étant le favori. He seemed to be wise and discerning. Il semblait être sage et avoir un discernement. He looked into the future to try to make plans. Il considérait le futur et il tâchait de faire des plans. He was good with economics. Il était bon du point de vue des finances. Yeah, plans. And people thought he was a great man. Et les gens pensaient que c'était un homme grand, superbe. But he betrayed Jesus Christ. Mais il a trahi Jésus Christ. And she says that today we look upon Judas with abhorrence. Et we look upon Judas with abhorrence today. With you know, loathing. When we think of Judas, it's bad. Aujourd'hui, lorsque nous considérons Judas, nous le voyons avec un dégoût c'est un mauvais. On ne le voit pas de bon œil. But she says that God had a special plan in allowing His character to be revealed. Mais il nous a dit que Dieu a même un plan bien spécifique en permettant que Judas continue à vivre et à agir. Because it would be an example. Parce qu'il serait un exemple. For everyone to the end of time. Pour tous ceux qui à la fin des temps. Of what would happen to people who betray sacred trust. Qui trahirait des dépôts sacrés. Judas betrayed a sacred trust. Judas a trahi une mission, un dépôt sacré. The leaders of Adventism betrayed a sacred trust. Les dirigeants de l'Adventisme ont trahi le dépôt sacré. God says He will weigh the church in the balances of the sanctuary. Dieu a déclaré qu'il allait peser l'Église dans les balances du sanctuaire. It should be very clear that that weighing, that judgment, has already happened. Il devrait être clair maintenant que ce jugement a déjà eu lieu. The church has been found wanting. L'Église a été trouvée trop légère. And all of those members. Et all the church members who agree with the leadership on this point. Et tous les membres d'Église qui s'accordent avec les dirigeants sur ce point. If they do not repent. S'ils ne se repentent pas. They will be found wanting also. Ils seront également trouvés trop légers. But here we have a wonderful opportunity. Mais ici, nous avons une opportunité merveilleuse. We can stand for the truth as it is in Jesus. Nous pouvons nous tenir dans la vérité et pour la vérité telle qu'elle est en Jésus. The work that the corporate church has failed to do. L'œuvre que l'Église, l'Église corporative a échoué à faire, à accomplir. We can go forward and do. Nous pouvons aller de l'avant et l'accomplir. We can help others to be ready. Nous pouvons aider d'autres à être prêts. We can hold on to this sacred truth. Nous pouvons nous saisir de ces vérités sacrées. That's what I want to do. Et c'est ce que je souhaite faire. Is that what you want to do today? Est-ce que c'est ce que vous aussi vous voulez faire? Do you want to follow the truth all the way? Est-ce que vous voulez suivre la vérité jusqu'au bout? I do too. Moi, je le fais également. Let's kneel for prayer. Agenouillons-nous pour prier. Our gracious Father in heaven. Notre Père céleste, rempli de grâce. We thank you, Father, for your goodness to us. Nous te remercions pour ta bonté à notre égard. We thank you for the Lord Jesus. Nous te remercions pour le Seigneur Jésus. And that He has come to this earth and lived for us. Et de ce qu'il soit venu sur cette terre et qu'il ait vécu pour nous. He died for us. Et qu'il soit mort pour nous. And even now He is making expiation for us. Et maintenant même, il fait l'expiation pour nous. He is providing cleansing and strength to overcome sin. Il pourvoit à notre pardon et au fait que nous puissions recevoir la force pour être purifiés du péché. This is a beautiful message. Cela est un message merveilleux. And I thank you for it. Et je te remercie pour ce message. Help us to hold it and not let go of it. Aide-nous à nous en saisir et à ne pas le laisser nous échapper. Because this is the most solemn truth ever given to humanity. Parce que c'est la vérité la plus solennelle qui ait jamais été donnée à l'humanité. It is our sacred trust. C'est notre dépôt sacré, notre mission sacrée. And Father, we want to be faithful to it. Et Père, nous voulons y être fidèles. So please help us to not be ashamed of you or your message. Alors aide-nous à ne pas être ne pas avoir honte de toi ou de ton message. To not be ashamed of your Christ. Et à ne pas avoir honte de ton Christ. But to stand boldly for truth. Mais à nous tenir courageusement pour la vérité. When
Our atmosphere becomes cold because of others who are leaving the truth. Là où même où notre atmosphère devient froide en raison de la défection que d'autres. Help us to stand as true to duty as the needle to the pole. Aide-nous à être fidèles à nos devoirs, tout comme l'aiguille de la boussole l'est au pôle. And I thank you, Father, in Jesus' name. Et je t'en prie, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.